l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour. Et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Alors il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, eau sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai l'Esprit en vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisai donc comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit et voici un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il se forma des nerfs sur eux. Il y crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces tuyaux afin qu'ils revivent. Je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. Oui, Éternel, c'est ta parole, celle sur laquelle tu veilles pour l'accomplir. Aujourd'hui, nous sommes devant toi, Seigneur, comme c'est mort, comme c'est tué, et nous prions que tu souffles sur nous, ce vent qui ramène à la vie. Ce vent qui fera se tenir sur ses pieds cette génération. Seigneur, que là où le péché a abondé, que ta grâce surabonde. Éternel, c'est la nouvelle saison, celle où tu accomplis ta parole, celle que tu as annoncée par la bouche de ton serviteur Joël. Seigneur, celle qui dit que dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Nous voici, Seigneur, nous voulons nous